Bonjour à tous et merci de vous réveiller avec nous sur Canal 3 et canal3television.com. Vous êtes les bienvenus dans votre matinale Actu Matin et un bonjour spécial à la Maison du Pain Tissé, à Madame Sama et au styliste Achille Kisebidi qui nous habille tous les jeudis sur Actu Matin. Et merci à toute l'équipe hein, dans ses œuvres de promotion du pain tissé béninois. Nous allons d'ailleurs y revenir tout à l'heure dans le forum de discussion. Eh bien, ce matin, plusieurs sujets à aborder en plateau. Nous, comme vous le savez, nous sommes en pleine crise sanitaire due au Covid-19. Toute l'actualité tourne autour de cette pandémie et n'empêche pas que la vie suive son cours au Bénin. Le processus électoral bat son plein. Nous donnerons la parole ce matin aux organisations de la société civile sur leurs observations du processus en invité. La plateforme des organisations de la société civile, sa présidente Fatoumata Batokozoussou sera avec nous autour de 8h05. L'école a rouvert ses portes depuis lundi dernier en dépit de la pandémie du coronavirus. Ceci sans grincement dedans. Les sociétaires de la Bourse du Travail sont mécontents des ministres sectoriels de l'enseignement invités à des échanges ce jeudi et la probabilité est forte qu'ils ne s'y rendent pas en raison de l'invitation au dialogue qu'ils juge tardive et sans fondement. On va en parler. Le chroniqueur appelle d'ailleurs ce matin les partis à taire les divergences pour sauver l'école. Sa démarche dans un instant. Plus loin, le forum des discussions. En Conseil des ministres, hier mercredi, le gouvernement a pris d'autres mesures urgentes en faveur de l'école béninoise. On retient la fourniture d'eau potable aux établissements scolaires publics et le règlement des arriérés de factures de consommation des 10 établissements. Ceci dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. On va également en parler, ce sera dans le forum de discussion avec en plateau André Dossa et Hakimé Seydou Ousseni. Merci de prendre ce rendez-vous. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Et voilà, merci de prendre donc ce rendez-vous Actu Matin. C'est parti pour un peu plus d'une heure trente d'informations. En direct sur La 3, vous êtes avec nous pour la chronique. Moïse Dossoumou, bonjour. Bonjour Christian. Ce matin, vous nous parlez de ce dialogue en suspens. On vous écoute. Madame, monsieur, bonjour. C'est ce qu'on appelle une réaction d'humeur. Invités par le gouvernement à leur demande, les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales ont préféré boycotter la rencontre. Prévue pour se dérouler ce jour, cette audience a très peu de chances de se tenir. Salimane Karimou, ministre des enseignements maternels et primaires, et Kakou Maoyon, son collègue en charge de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, devront vaquer à d'autres occupations. Outrés par le peu de considération dont ils sont l'objet, leurs vis-à-vis ont adressé, selon leur thème, un refus poli à cette invitation. À première vue, on peut être tenté de se demander si les partenaires sociaux veulent d'une chose et de son contraire. Mais ce serait vite aller en besogne que de leur jeter la pierre. Les responsables syndicaux qui boudent le gouvernement auraient souhaité que cet appel des pouvoirs publics leur soit adressé un peu plus tôt. En effet, quelques semaines avant la reprise des cours, et eu égard à la menace du Covid-19 qui se fait persistante, en dépit des mesures prises par les décideurs, les leaders syndicaux préoccupés par la situation ont alerté l'opinion publique plus d'une fois. Seul ou en groupe avec d'autres creusets, les responsables de la Bourse du Travail ont adressé 1001 propositions au gouvernement. Sans se lasser, ils sont allés plus loin dans les démarches en sollicitant une audience. Tout ceci pour s'assurer que leurs préoccupations, à défaut d'être prises en compte, sont tout au moins entendues. À leur grande surprise, toutes ces initiatives sont demeurées sans réponse.
C'est dans ces conditions que le Conseil des ministres, du mercredi 6 mai dernier, fixait les règles devant prévaloir à l'occasion de la reprise des cours. Et comme les parents d'élèves ont pu le constater, des efforts ont été faits, mais tout ceci ne rassure pas pour autant. La rencontre tant souhaitée entre leaders syndicaux et les ministres en charge de l'enseignement a finalement été annoncée pour ce jour, jeudi 14 mai 2020. Trop tard, disent les partenaires sociaux, qui estiment qu'il s'agira d'un entretien sans objet. Le fait que les ministres soient restés sourds pendant plusieurs semaines aux multiples exhortations des responsables des associations fêtières des syndicats a été vu de mauvais œil. Du coup, le dialogue social qui demeure l'âme privilégiée entre gouvernants et partenaires sociaux se trouve compromis. La réaction des syndicalistes se justifie d'autant plus qu'ils nourrissent des griefs contre les deux membres du gouvernement, coutumiers du fait. À présent, les deux parties qui ne peuvent pas s'éviter se font dos. Une situation fâcheuse qui aurait pu être évitée si les ministres concernés avaient été proactifs. Tout porte à croire que l'approche participative dans la riposte contre la propagation du Covid-19 n'est pas la bienvenue. Après cet épisode, que réservent les deux parties pour les jours à venir? Les syndicalistes qui ont fait l'option de bouder le gouvernement ont des raisons d'agir ainsi. Mais ils auraient pu, néanmoins, toute considération faite, prendre sur eux-mêmes pour répondre à l'appel de l'autorité. Qui sait, des lignes pourraient toujours bouger après la rencontre. Le gouvernement également, qui a l'initiative de la décision, ne perd rien à échanger et à écouter les autres parties. La pandémie du moment donne du fil à retordre à tout le monde. Les fruits des réflexions des autres peuvent toujours inspirer les dirigeants qui ne peuvent pas toujours prendre en compte tous les aspects parce que ne détenant pas la science infuse. À l'avenir, au nom de la décrispation et d'une meilleure performance des agents de l'État représentés d'ailleurs par les syndicats, le gouvernement gagnerait à dialoguer. De la même manière, un peu de souplesse ne fera pas de mal aux partenaires sociaux. Merci à vous, Moïse Dosumo. Ce matin, c'était là votre invite à l'unité face au Covid-19. Gouvernement, centrales et confédérations syndicales sont donc invitées à dialoguer, à échanger pour trouver donc des solutions idoines pour contrer cette pandémie du moment. Et notre espoir est que cet appel soit entendu. Merci à vous, Moïse Dosumo. Très bonne journée. On va revenir maintenant au titre du mini-journal avec vous, Nagui Balagui. Bonjour. Bonjour, Christian, bonjour à tous. Communal et municipal 2020, la campagne tire à sa fin. Pendant que parti en liste et candidat essaye vaille que vaille de se vendre dans un contexte, faut-il le rappeler, marqué par la crise sanitaire mondiale en cours, elle aurait dû être essentiellement médiatique, comme décidé par les autorités. Mais toujours est-il que bien de choses ont changé quant à la façon de mener la propagande. Appréciation dans ce mini-journal de quelques citoyens approchés par une équipe de notre rédaction. Et puis, patriotisme et solidarité nationale en vue d'une riposte efficace à la propagation du nouveau coronavirus. Plusieurs organisations internationales, nationales ou non gouvernementales se sont associées à la dynamique en cours. L'ONG Les Enfants d'abord et l'association JAR africaine, par exemple, sont entrées dans la danse. Des masques de protection ont été distribués par leurs soins, notamment dans les marchés d'Antokba et Saint-Michel. Restez avec nous, les détails, c'est dans un instant. Voilà, une très belle initiative hein, pour accompagner le gouvernement dans sa lutte contre la propagation du coronavirus. On va y revenir dans le mini-journal, c'est après ceci. Dimanche 17 mai prochain, le peuple béninois ira aux urnes. Pour l'instant, la campagne électorale bat son plein sur toute l'étendue du territoire national. Et ceci en dépit d'un contexte marqué par la crise sanitaire mondiale. Une chose cependant, chers téléspectateurs, bien des habitudes ont dû être abandonnées. La campagne en elle-même est censée se dérouler exclusivement sur les médias. C'est ce qui se passe hein, depuis le 1er mai dernier. Mais que pensent les béninois de cette nouveauté? Tanguy Agoye et Rachid Soubérou ont tendu leur micro à quelques citoyens de la ville de Cotonou. Ils sont tous à leur atelier ici. C'est un couple de couturiers retranchés dans ces lieux de travail, installés quelque part à Zogbadje, le quartier étudiant de la commune d'Aboumekalavi. Et même si le volume de la radio est à fond et leur ouvre les horizons sur l'actualité du pays, ils n'y prêtent pas vraiment grande oreille, parce que la politique, ce n'est pas leur priorité quotidienne.
Pour des détails concernant la campagne électorale en cours donc, ils ne sont pas les mieux indiqués. Moi, j'entends seulement les gens parler, mais comme je vous dis tantôt, je ne suis pas en politique, donc je ne me mêle pas trop de ça. Pourtant, ils auraient aimé bien être plus imprégnés de l'événement en cours dans leur pays, la femme surtout. Elle accepte des bribes qui lui parviennent tout comme l'homme, mais ce qui l'aurait mieux intéressé, c'est le contact avec, dit-elle, ces messieurs et dames qui défilent à la télé et à la radio, égrenant et alternant promesses et propositions. Ça aurait été bien qu'ils viennent à nous, qu'ils nous disent concrètement ce qu'ils veulent faire de notre commune. Ça nous aurait permis de discuter avec eux, de leur poser des questions et surtout d'avoir leur parole, même si les hommes politiques n'en ont jamais une. Imprégnés ou pas, convaincus ou non, ils auront un choix à faire le dimanche prochain. Ça, c'est une évidence à leur esprit. Mais sur le choix du candidat et le logo sur lequel il faut apposer le cachet, les deux ne sont plus visiblement au même niveau. Moi, j'attends le soir du samedi, la veille. Je vais réfléchir à qui me plaît, à celui dont je me souviens. Et là, je pourrai voter le lendemain. Le dimanche là, je vais aller voter quand même l'homme de mon cœur, dont je ne saurais dire à personne. Vous l'avez déjà choisi là maintenant? Oui, oui. Non loin de là, dans un autre quartier à Kota, il y a un autre couple qui tient sa boutique de chaussures et de divers. Instruits et mieux au parfum de l'actualité, leur appréciation du déroulement de la campagne est tout différent. Il fallait bien cette affaire de campagne électorale dans les médias. Oui, c'est mieux, parce que les années antérieures, on voit sur le terrain des gens qui s'affrontent, parce qu'ils sont militants de tel groupe, et lors des caravanes, ils se coincent à des endroits, et puis il y a des injures. Mais cette fois-ci, il n'y a pas ça. Chacun est dans son coin, et puis ça va bien. Violence ou pas, ce qui intéresse la femme, ce sont ses affaires. Habituellement, ce sont les moments de faire quelques chiffres, mais cette année aura été différente. Il n'y a pas d'argent, essaye-t-elle de comprendre. Et même ces petits rassemblements avec les candidats pour se faire un peu de sous n'est plus de mise. Les choses ont vraiment changé. Ce sont même les populations qui sont désormais éclairées. Les candidats, même ça qu'on ne veut plus de l'argent. Il y a certains, on sent que oui, il y a d'autres qui ont des programmes pour la jeunesse et tout ça. Là, on sent que ceux-là, c'est bon. Mais il y a d'autres là, ils n'arrivent pas à nous convaincre. Plus d'une semaine déjà de campagne électorale pour ces communales et municipales. Au sein de la population, les avis restent partagés au sujet de la pertinence du choix d'une campagne essentiellement médiatique. Mais ce n'est pas ce qui influencera les choix du dimanche prochain. La plupart savent déjà ce qu'ils feront une fois dans l'isoloir. Et voilà ce constat de Tanguy Agoy qui était donc dans les villes de Cotonou et d'Abomey Calavi. On va vous retrouver Naguib Alagoué. Ceci en bref, les pensionnaires du lycée des jeunes filles de Nati Tengu ont reçu mardi dernier des masques de protection. C'est-à-dire donc que le gouvernement a joint l'acte à la parole partout sur l'ensemble du territoire national, y compris dans l'Atakora où les directeurs départementaux de la santé et de l'enseignement secondaire ont procédé ensemble à la distribution main à main, d'abord au lycée des jeunes filles de Nati Tengu, puis à l'école urbaine centre de la même ville où chaque apprenant est entré en possession de son masque réutilisable. Retour à Cotonou, où le besoin en masque de protection se fait également sentir, notamment dans les marchés de la métropole. Les usagers des marchés d'Antokpa et Saint-Michel, par exemple, ne doivent leur salut qu'à un élan de solidarité venant d'un duo. L'ONG, les enfants d'abord et l'association Jar Africaine contribue ainsi à travers ses dons à la solidarité nationale en cours dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19. Le point de leur descente dans ce reportage de Teddy Goudalo, présenté par Ulrich Gaba. Ils se bousculent pour avoir la chance de bénéficier d'un masque de protection. La preuve que le besoin se faisait cruellement sentir dans ce grand marché de Cotonou. Cette opération de distribution de masques au cœur du marché d'Antokba
est une initiative de l'association JAR africaine en collaboration avec l'organisation non gouvernementale Les Enfants d'abord. C'est au fait cette maladie-là qu'on appelle le coronavirus Covid-19 qui nous a un peu forcé à faire cette première sortie. Et vu ce qui se passe un peu partout dans le monde avec le nombre de décès qu'on observe sur le plan international, et on s'est dit qu'il faut apporter notre petite contribution à ce que l'État béninois fait déjà. On a décidé de faire une distribution de 1000 masques. Comme on est en train de faire là, et qui sont partis comme des petits pains. Vous-même, vous avez vu comment la population s'est vraiment jetée sur le produit. Après Dantokba, ce sont les vendeurs du marché Saint-Michel qui reçoivent la visite des donateurs. Ici, la discipline est respectée. Les commerçantes sont restées à leur place pour se faire servir à tour de rôle. Cette action humanitaire s'est étendue à la prison civile d'Abomey-Calavi, où les donateurs ont remis aux responsables pénitentiaires un lot de masques pour permettre aux pensionnaires de se protéger contre la Covid-19. Nous sommes venus leur remettre à peu près 210 masques. Ils sont près de 1000 et quelques dedans, donc vous voyez bien que ce n'est pas insuffisant. Et ça n'a pas été facile parce que c'est une prison, donc ce n'est pas autorisé de faire certaines choses. Le plus important pour nous, c'est que, bon, que d'autres associations comme la nôtre, c'est-à-dire la JAR africaine, puisse aussi venir aider les gens à l'intérieur parce que 1200 personnes, ils sont pas assez outillés pour pouvoir se protéger contre ce virus. Nous allons pouvoir revenir éventuellement pour faire d'autres dons, pour permettre à tous les prisonniers de pouvoir avoir au moins un masque pour se protéger contre le virus. En dehors du port de masque, les membres de l'association JAR africaine et de l'ONG Les Enfants d'abord, se sont investis dans la sensibilisation des populations sur les gestes barrières. Le but de cette opération est d'accompagner le gouvernement du Bénin dans sa stratégie de riposte contre le coronavirus. Faut-il le préciser, l'association JAR africaine est en effet un creuset apolitique et à but non lucratif créé en France et dont le principal objectif est de porter assistance aux couches défavorisées d'Afrique. On change de registre et cette fois-ci la vie malgré le corona pour la communauté musulmane du monde entier. Elle aborde dès ce soir la dernière décade du mois de Ramadan. C'est une étape qui intervient après 20 jours de jeûne. Et c'est au cours de ces 10 dernières nuits que les fidèles accentuent l'adoration avec pour quête une nuit où les grâces abondent. C'est la nuit de la destinée. Alors, quelle est l'importance de cette nuit? La question Ali Moumouni et Moufid Sagouan l'ont posée à un islamologue. Le docteur Ahmed Roufaï Mani, imam de la mosquée As-Salam d'Apropokodi, nous explique les différents signes et comment s'y prendre durant la période. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand arrive la dernière décade, il réveille sa famille, réveille même les petits-enfants, afin de vivre cette dernière décade. Ce qui ressort encore l'importance de cette dernière décade, c'est dedans qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran. Le jour, sinon la nuit de Laylat al-Qadr. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Et c'est dans cette nuit bénie-là que Allah subhanahu wa ta'ala décrète tout ordre sage, ce qui adviendra à un musulman, à un être pendant un an, c'est dans cette nuit-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète. Laylat al-Qadr, la nuit bénie-là, dépasse une adoration de 1000 mois, qui correspond à 83 ans, 4 mois. Et comment nous devons prier? Il y a 8 rakas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon sa tradition, il fait 8 rakas, 2, 2, 2, 2, et il fait 8 qui est 3, et ça fait 11 rakas. Et Aïcha a rapporté aussi qu'il fait 13 rakas, c'est-à-dire au lieu de 8, il fait 13 et 10 rakas et ajoute 8 là-dessus qui fait 13. Voilà l'habitude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris pour la prière nocturne. Mais
ça n'a pas aussi de limite, puisque quand on lui a demandé comment doit faire du salat layl matna matna, la prière de la nuit, il faut le faire 2-2-2. Donc, selon ta capacité. Si tu peux faire les 11 qu'il a l'habitude de faire ou les 13, c'est bien. Si tu ne peux pas le faire, que c'est 2 que tu arrives à le faire, c'est aussi bien. Ce qu'on veut de toi, faut pas passer cette nuit-là sans adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a caché et il a demandé de fournir les efforts. Donc il est bon que nous fournissons les efforts depuis la 21e nuit jusqu'à la fin de Ramadan, car on ne sait pas quel jour serait Laylatul Qadr. Voilà, de nouveaux juges ont officiellement pris fonction ce mardi au tribunal de commerce de Cotonou. Il s'agit de Edmond Arwansou et de Valentin Kakbo. C'était à l'occasion d'une audience solennelle qui a eu lieu quelques jours après leur nomination. La cérémonie a eu lieu à la salle d'audience de la juridiction en présence des magistrats et du procureur de la République. Monsieur Edmond Arwansou, Monsieur Valentin Kakbo, je vous déclare installé dans vos fonctions de juge. Les deux juges qui siègent désormais au tribunal de commerce de Cotonou, les voici devant ce collège de magistrats en audience solennelle pour leur installation officielle. Après leur nomination par le Conseil supérieur de la magistrature, ils prennent ainsi fonction au sein de la juridiction pour s'occuper des affaires commerciales. Comme il est de coutume dans la pratique judiciaire, le ministère public, représenté par le procureur de la République, a d'abord pris ses réquisitions avant l'entrée en fonction des deux magistrats. Le président, ce genre de cérémonie d'audience solennelle d'installation devrait être souvent pour nous l'occasion d'oser quelques réflexions sur des thèmes qui nous tiennent à cœur. Je voudrais vous demander de bien vouloir me permettre de dire encore deux mots. Deux mots sur notre mission en tant que magistrat, en tant que juge. Deux mots sur le sens de notre serment de magistrat, de juge. Deux mots enfin sur le temps. Le temps de la justice, le temps dans la justice, le procès du temps qui a conduit à la mise en place de cette juridiction. Depuis l'installation du tribunal de commerce, la justice commerciale a connu un changement positif avec des exploits encourageants, a ajouté le procureur de la République. Des exploits que le président de la juridiction met à l'actif de tous les acteurs du système avant de prodiguer des conseils aux nouveaux juges du tribunal. Avec le procureur de la République, j'ai bon espoir que non seulement vous allez remplir de belles missions ici, et également aller vers des responsabilités plus grandes encore. Vous connaissez le milieu judiciaire, vous connaissez son âpreté, vous connaissez, j'ose dire, d'une certaine manière, ses ingratitudes. Vous savez déjà la rigueur qu'impose aux magistrats l'exercice de sa fonction. Vous savez aussi que la célérité ne doit pas l'emporter sur la qualité de la justice, à la qualité du travail, à la qualité des jugements à rendre. Et vous serez aussi, pour tous, je n'en doute pas un seul instant, de bonne compagnie. Le président du tribunal de commerce de Cotonou a enfin félicité ses désormais collaborateurs avant de les renvoyer à leurs postes respectifs. Depuis l'avènement de cette juridiction commerciale, les dossiers sont traités avec célérité et efficacité. Son président et ses collaborateurs entendent continuer sur la même dynamique. Et puis cette enquête de la presse sur le renseignement pratiqué dans nos universités, notamment sur des étudiants en fin de formation et la gestion hasardeuse des ressources allouées à la construction et à l'équipement des salles de cours. Les résultats issus de ces enquêtes, fruit d'une coopération entre l'organisation Open Society for West Africa Initiative au CIWA et la Maison des médias ont été présentés au public, c'était mardi, à l'auditorium de la Maison des médias. Naguib Alagbeye et Elvis Touloukouin ont assisté à la cérémonie de lancement. Les infrastructures, la qualité des infrastructures et des équipements, il n'y a pas un travailleur de ce genre. On parle plutôt
de l'accès de l'enfant à l'école. Au cœur de cette conférence de presse, deux sujets d'enquête journalistique, dont l'un sur le rançonnement des étudiants en attente de soutenance et l'autre sur la gestion faite par les communes des fonds destinés à la construction ainsi qu'à l'équipement des salles de classe. Auteurs de ces travaux, Romuald Logbo et Vadim Kirin, tous deux journalistes, ont échangé avec le public composé en grande majorité d'hommes des médias sur les contours et les enjeux de leur démarche. C'est suite à des plaintes qui parvenaient avec insistance à notre rédaction d'étudiants à qui il était exigé le paiement d'un certain montant oscillant entre 100 et 300 000 avant de leur délivrer le bon à déposer de leur mémoire pour programmation en vue de la soutenance. Nous sommes donc descendus sur le terrain pour confronter ces dénonciations à la réalité. Et nous avons eu des éléments de contradiction. Les enseignants, certains ont reconnu pour la plupart. Nous avons vu des écoles abandonnées. Un deuxième cas, c'est les malfaçons dans la livraison de ces bâtiments. On a eu les cas de non-livraison d'état banc ou de livraison d'état banc en de mauvais état. Donc voici les cas que nous avons eus sur le terrain. Et qu'ils vous en souviennent, les députés avaient posé la question du détournement en son temps. Aujourd'hui, nous posons la question de la bonne réalisation, de la bonne consommation du FADEC, et c'est ce qui se changera. Des enquêtes qui, par ailleurs, s'inscrivent dans le cadre de l'opérationnalisation de la deuxième phase du projet intitulé « Pour des médias plus professionnels au Bénin », porté conjointement par Open Society for West Africa Osiwa et la Maison des médias. La Maison des médias est une collaboration féconde et agissante avec Osiwa qui a mis en place un pool de journalistes enquêteurs ici à la Maison des médias, une dizaine de journalistes enquêteurs qui donc font des projets d'enquête, soumettent ça au bailleur qui est la Maison des médias pour études et validations afin que des enquêtes liées à la bonne gouvernance et liées à la lutte contre la corruption soient réalisées dans le but d'amener les compatriotes, les citoyens, qu'ils soient gouvernés, à une meilleure prise de conscience afin que nous puissions aller au développement que nous appelons de tous nos voeux. À ces travaux succéderont d'autres, avec toujours pour axe d'intervention les questions de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, de manière à promouvoir une meilleure conscience citoyenne, gage de tout développement. Et voilà, c'était le mini-journal, Nagui Balawi. Bien sûr, Christian Dandédian. Et Actu Matin se poursuit. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Merci à Willy qui est à la réalisation. Actu Matin se poursuit. Dans un instant, on va retrouver André Dossa, Kimé Sédou, Ousseni en plateau pour nos discussions de ce matin. Beaucoup de sujets à aborder. Juste après, l'invité du forum, Fatoumata Batoko Zoussou, est la présidente de la plateforme des organisations de la société civile. On reviendra donc sur le processus électoral en cours en République du Bénin. Quelle est l'observation faite par les organisations de la société civile sur le déroulement de toutes les activités autour de ces élections communales et municipales? On va en parler avec notre invité et juste après votre rubrique environnement avec Fulbert Adjimé-Rossou qui reçoit ce matin en plateau le professeur Basile Kounou-Ewa. Il est physicien à la Fac des sciences et techniques. Avec lui, il sera question de la lutte contre les changements climatiques. Les énergies renouvelables sont apparemment une solution contre ce phénomène. Restez avec nous pour tout savoir et tout comprendre. Désolé. Mais ce que vous buvez tous là, qu'est-ce que c'est? Au comtesse. Au comtesse. C'est nouveau? Non, tiens donc. Nous prenons la gamme eau de comtesse ici depuis un bon moment. Ah bon? Oui. C'est ceci que je prends pour me faciliter la digestion et pour bénéficier aussi des vertus du citron. Eau de fruits, citron sans sucre. Ceci est mon préféré. Eau de fruits, citron sucré. On sent bien le citron. En plus, c'est léger, frais et raffiné. C'est ça pour elle. Eau comtesse bébé. Puis, voilà, c'est pour toi ma chérie. Pépé, oui? Je pense que ça doit coûter les yeux de la tête. Non? Ben non, avec la gamme, eau comtesse, c'est plutôt l'économie garantie pour la famille. Eau de comtesse, eau de fruits citron sans sucre,
eau de fruits citron sucré, eau de comtesse bébé, à chacun son eau. Cœur de la ville de Baragou, Loft Resort Hotel, un bel espace très relaxant. Découvrez nos chambres au stand-in, espacées avec confort et luxe. Notre salle de conférence avec secrétariat et hall d'atelier. Notre restaurant et nos lieux de détente d'exception pour un séjour en grand. À Loft Resort Hotel, profitez de notre service traiteur et de notre parking grande capacité. Loft Resort Hotel, Baragou, quartier Arafat, 150 mètres de l'université. Réservation au 23 61 36 20 67 39 51 51. Loft Resort Hotel, votre satisfaction, notre plus belle récompense. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacorp. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. ...7h35, dans quelques petites secondes en plateau, nous avons André Dossa, bonjour. Bonjour Christian Dadaïo. Hakimé Sédouceni, bonjour. Christian, bonjour. Voilà, vous êtes tous griffés Canal 3 ce matin, c'est toujours le pain tissé, Hakimé. Exactement, c'est une et le pain tissé a des innovations chaque semaine. Vous avez remarqué que la première fois c'était le jeudi. Nous, nous avons lancé, je dirais, le jury du pain tissé. Vous avez vu les modèles qui ont été proposés. Et une semaine après, il n'y a que la paire Achille et puis Madame Sama. Cette paire rivalise, je dirais, d'ingéniosité pour chaque fois apporter un peu plus en ce qui concerne les productions qu'on met à notre disposition. Vous avez remarqué encore que aujourd'hui, ils en ont fait un peu plus. Les tenues qui sont utilisées ce matin sont griffées Canal 3 Bénin, la marque même de la maison. Ça veut dire simplement que, comme je l'ai fait constater plusieurs fois, pour peu qu'on fait confiance, je dirais, à l'ingéniosité, au savoir-faire des Bénois, eh bien, ils vous apportent la preuve à suffisance. C'est ce que nous constatons avec Achille et puis Madame Sama. Mmh. Justement, André Dossa, avec la griffe sur la tenue, c'est-à-dire que même les entreprises peuvent commander ces tenues-là avec la marque de leur structure. Vous savez, les jeunes stylistes béninois, les talents béninois mobilisés par Madame Sama offrent aux entrepreneurs béninois, aux citoyens béninois lambda, la possibilité de rester en harmonie avec l'économie locale, la possibilité de démontrer, n'est-ce pas, son patriotisme, son attachement à son pays, et de jouer sa contribution pour le développement économique de notre pays en consommant local, notamment en consommant le pain tissé béninois. Puisque, vous voyez, c'est une très belle chemise. Quand je vois Hakimé dans son habit, il est extrêmement élégant. Mmh. Alors, ça veut dire quoi? On peut faire des choses extraordinaires avec le pain tissé. Les entreprises peuvent se l'approprier, peuvent, n'est-ce pas, faire en sorte que le personnel arbore cette tenue-là et montrer tout leur attachement, n'est-ce pas, à notre pays et aussi à notre économie. Et il faut saluer le génie, le travail, le talent de ce styliste Achille qui sera incessamment avec nous en plateau pour qu'on puisse l'afficher, afin que les Béninois voient qu'effectivement c'est un authentique Béninois, un jeune Béninois styliste qui travaille, qui nous propose ces belles tenues chaque jeudi et qui donc donne du sens à cette campagne que nous avons lancée sur Canal 3, à savoir le jeudi du pain tissé. Il faut saluer également la volonté, la disponibilité de Madame Sama qui se bat les mains nues
ce n'est pas évident. Et c'est l'occasion pour moi, Christian, profiter pour cette opportunité, pour dire aux bonnes volontés, oui, à tous ceux qui sont dans les structures capables d'accompagner ces mouvements-là, de ne pas hésiter à ouvrir leurs portes à Mme Saman quand elle vient vers eux, notamment le ministère de l'artisanat et du tourisme, le ministre Jean-Michel Abimbola, dont je connais l'attachement à nos valeurs, n'est-ce pas, endogènes, notamment à nos cultures, qui est un ambassadeur du pain tissé. Ah oui. C'est l'occasion pour lui aussi de donner un coup de main à cette dame et à toutes les autres volontés, à tous les autres Béninois qui s'emploient, qui entreprennent dans la promotion de nos ressources locales, dans la promotion du pain tissé. Vous interpellez, monsieur le ministre de la Culture, je crois qu'il n'est même d'ailleurs pas le seul qui a un goût pour le pain tissé. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Osbado Meki également, s'inscrit dans cette dynamique. Et même le chef de l'État, je l'ai vu quelques fois, dans des pains tissés bien faits, ça veut dire également qu'il y a une possibilité qu'on puisse regarder ce côté-là. Franchement, en ce qui concerne, je dirais, l'invite de André, elle est pertinente parce que oui, c'est vraiment les mains nues, c'est avec les mains nues qu'elle se bat pour chaque jeudi, je dirais, apporter un plus à la couleur que nous avons sur le plateau d'Actu-Maté. Ben, franchement, à ce niveau, il va falloir que véritablement elle puisse avoir, je dirais, cet engouement-là, cet accompagnement. Lorsque vous parlez de couleur, je vais me retourner, vous allez voir un peu le derrière. C'est bien fait ce mélange que nous avons. Franchement, chaque jour, je me demande, mais qu'est-ce qui nous apporteront le jeudi prochain? Et là, franchement, je n'ai pas encore été déçu. Et je crois qu'ils ont fini par me couler le bec. Je ne serai jamais déçu en termes d'ingéniosité, en termes de savoir-faire. La paire, Mme Sama et puis Achille, franchement, ça fait du bon boulot. Quoi. Un de ces jeudis, nous les aurons en plateau pour nous parler un peu de ce génie qui les habite. Il ne faut finir pas mettre, je dirais, des visages sur Mme Sama, sur mon cher ami Achille, qui fait beaucoup plus de la modestie. Même Mme Sama aussi, elle fait tout un effort pour éviter d'être vue. Mais je crois que finalement, André qui a été son mannequin en son temps, finira par nous dire un peu comment ça se passe dans les couloirs. Vous le serez aussi. Le prétexte du Covid, de la Covid qu'elle évoque, finira sans doute par s'estomper, afin qu'elle puisse venir. Mais elle est quand même connue, parce que ça fait des années qu'elle se bat aux côtés des coopératives, des groupements de femmes, groupements d'artisans, pour faire la promotion du pain tissé. On les aura sans doute sur ce plateau. Voilà, on va passer maintenant à un autre sujet. Parlons justement de ce dialogue annoncé pour aujourd'hui qui va se tenir entre les syndicats invités par les différents ministres sectoriels en charge de l'enseignement en République du Bénin. Vont-ils y aller ou pas? C'est la question au bout de toutes les lèvres. Tous sommes aujourd'hui dans l'expectative, André Dossard. Est-ce qu'il faut encore rester dans l'expectative? Il me semble que les syndicalistes ont décidé de ne pas participer à cette rencontre. Il me semble que le mot d'ordre, c'est quand même d'exprimer une certaine fierté. Et je crois que les syndicalistes, c'est donc ils boycottent cette rencontre. Ils auront totalement raison. Ils auront raison parce qu'ils ont tendu la perche au gouvernement. Ils ont fait des propositions. C'est quand même assez inhabituel que ces acteurs-là, n'est-ce pas, anticipent, fassent des propositions en amont, donc, et qu'ils s'attendent à ce que le gouvernement réagisse par rapport à leur proposition et que cela ne se fasse pas. Quand ça ne s'est pas fait et que le gouvernement donc a pris la décision, la reprise a eu lieu, ainsi de suite, et qu'on les appelle maintenant à Laval pour dire, bon, écoutez, venez, on va parler. De quoi donc allons-nous parler? Je crois qu'ils ont raison de ne pas y aller. Des mesures prises. Ils ont raison de ne pas y aller. Scolaires. Parce qu'ils pourraient, à bon droit, n'est-ce pas, se sentir un petit peu, enfin, pas assez considérés par le gouvernement qui a agi ainsi. Mais quand on a fini de dire ça, je crois que les syndicalistes eux-mêmes, vous savez, ont pris soin de parler de propositions. Lorsqu'on me fait des propositions, c'est-à-dire que ça ne s'impose pas à moi. Il m'est loisible de lire ces propositions-là, d'en apprécier la pertinence et de décider de prendre ça en considération ou pas. Je crois qu'il n'est pas venu à l'esprit des syndicalistes non plus de dire, bon, les propositions que nous envoyons, les idées que nous avons émises, le gouvernement doit pouvoir donc les appliquer in extenso. Je crois que ça n'a pas... D'ailleurs, ils ont parlé de propositions.
le gouvernement, c'est le gouvernement qui dirige, c'est le gouvernement qui prend les décisions, quitte à les assumer après. Donc le gouvernement a agi, peut-être sans les appeler, sans les avoir appelés, pour dire, asseyons-nous, ok, j'ai lu vos propositions, voici ce que j'en pense, ainsi de suite. Cette frustration que voilà, nous observons. Oui, ils sont un peu frustrés, c'est normal qu'ils puissent l'exprimer. Hakimi Seydou Ousseini, c'est vrai qu'on en parlait hier dans nos échanges. Oui, que réservent les deux parties? Vous savez, on appelle tout le monde à l'unité d'action contre le coronavirus. Et ce sont les enfants qui sont à l'école. Que réservent alors les deux parties si l'une maintient sa position de ne pas aller à cette rencontre? La question ne devait pas se la poser ainsi, comme je l'ai fait constater hier, si les ministres de l'Éducation avaient fait l'option tout au moins de cette rencontre avant le 11 mai dernier. C'est d'ailleurs pour ça que ce matin et depuis d'ailleurs hier, on en parle ici. En réalité, je crois que ça file pas forcément le parfait amour, mais on a constaté quand même qu'il y a un accompagnement depuis un bon moment, des initiatives du pouvoir en place. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de revendications, mais c'est parce que véritablement ils se disent il y a un cadre qui a été créé pour, et dans ce cadre, nous allons discuter. Je me rappelle d'ailleurs quand on a tendu le micro à Anselme Amoussou pour faire le bilan de un an, je dirais, du dialogue social avec le gouvernement, il a fait constater que la seule chose qu'il reproche à ce gouvernement, c'est de ne pas tenir, je dirais, de façon pérenne le cadre du dialogue social. Donc, il n'y a qu'à ce niveau, ça flotte. Et malgré cela, eh bien, il y a qui se disent, il y a toujours espoir d'espérer. Je ne peux pas comprendre que les ministres de l'Éducation prennent l'option, je dirais, de mettre en branle, je dirais, des initiatives et des propositions en vue de la tenue de la rentrée des classes le 11 mai dernier, dans le contexte de la COVID-19, pour que, eh bien, il n'y ait pas eu tout au moins une assise entre responsables syndicaux et puis les ministres de l'Éducation. Ça n'a pas été fait. Je suis d'accord. Et eux-mêmes, d'ailleurs, l'ont fait constater. Ils faisaient juste des propositions. Ils ne disaient pas qu'il fallait prendre d'emblée, eh bien, les propositions qui sont faites, mais on peut regarder dedans. C'est-à-dire qu'on s'asseye et on voit le pour et le contre des propositions qui sont faites. Donc, c'est dans un dialogue franc-sincère. Les propositions sont faites, publiées dans la presse. Est-ce qu'on était obligé de les recevoir et de les écouter à nouveau? Quand vous le dites, vous l'avez dit hier, quand vous le dites, mais pourquoi est-ce qu'on veut les rencontrer alors aujourd'hui? Si ce n'est pas opportun, alors ne les rencontrons pas. Avançons, faisons comme si de rien n'était. C'est-à-dire que c'est nous qui décidons en dernier ressort. On a décidé, allons, avançons. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on s'échine à forcément vouloir rencontrer les responsables syndicaux après la mise en œuvre des dispositions qui concourent à la tenue de la rentrée des classes depuis le 11 mai dernier. Donc si c'est déjà fait, il n'y a que la rencontre qui est annoncée à grand renfort médiatique n'a pas sa raison d'être, à moins qu'on me dise qu'à l'occasion de cette rencontre, il y a peut-être d'autres sujets qui seront abordés. Et je dis encore que même s'il y a des sujets qui sont abordés, outre les sujets relatifs à la rentrée des classes, notamment la gestion de la COVID-19, il y a que Christian, ça aurait été mentionné au niveau donc de l'invitation. Si jusqu'à aujourd'hui, les responsables syndicaux disent « Niet, on reste dans notre couloir », c'est certainement parce que, eh bien, de fond en comble, il va s'agir, je dirais, de l'analyse des dispositions qui sont énoncées, qui sont en train d'être mises en œuvre dans le cadre donc, de la gestion de la COVID-19. Donc, en tant que tel, il y a un problème qui se pose. Donc, je me dis, il ne faut pas toujours qu'on donne l'impression que ce sont les partenaires sociaux, ce sont les responsables syndicaux qui en font un peu trop. J'estime qu'on peut toujours faire mieux. Et je n'ai jamais compris ça au niveau des ministres de l'Éducation. Je constate que depuis je dirais, la gestion et Patrice Talon, il n'y a que dans ce secteur, j'ai l'impression qu'on pose des actes. Tout tombe dessus, on pose des actes d'abord, et c'est après qu'on se bat pour se rattraper, Aucun ministre, je dirais, peut-être que j'exagère, j'ai l'impression, aucun ministre n'a l'humilité de dire, mais quand même, est-ce que ce n'est pas nous qui faisons faux jeu, quoi? Lorsque le cadre est tracé, le canevas est connu, on n'a pas besoin de se retrouver tout le temps. Il y a un cadre pour cela. C'est pour ça. Même si on peut reprocher au ministre le fait que, bon, on mette aujourd'hui, par rapport à cette rentrée scolaire, la charrue avant les bœufs. C'est le constat qui est fait. C'est pour ça que vous avez vu les soins syndicaux, ils sont en train de décliner l'option. Non, je ne vois pas la bonne option, André Dossa, ça serait quoi? Le SG de l'NSTB ou encore de la COSI, de la CSA Bénin, de la CSTB, a dit qu'ils ne sont pas prêts à une rencontre avec le pouvoir en place. Je crois que le gouvernement et acteurs sociaux sont des partenaires qui ont toujours besoin de se voir, qui ont toujours besoin des occasions de dialogue, des occasions d'échange. Quelles que soient les circonstances qui motivent ces rencontres-là, je crois que il faut tout le temps se voir et discuter. Et on peut comprendre que les syndicalistes refusent, n'est-ce pas, d'aller vers un gouvernement à qui ils ont, n'est-ce pas, proposé des idées, des voies et moyens pour envisager ensemble la reprise dans ce contexte donc de ces causes liées au coronavirus.
que cette proposition, n'est-ce pas, n'ait pas obtenu de la part du gouvernement une réaction qu'ils auraient souhaité, c'est normal, donc qu'ils soient fâchés. Mais on ne sait pas. Le gouvernement peut également utiliser le prétexte du coronavirus pour aborder d'autres questions en suspens. C'est-à-dire que vous savez que à l'occasion du 1er mai, il y a la traditionnelle remise de cahiers de doléances. Et le coronavirus n'a pas permis que les discussions qui se déroulent en ces circonstances-là puissent donc avoir lieu. Peut-être qu'on peut partir donc de cette attitude de coronavirus pour poser les problèmes qu'on n'a pas pu poser à l'occasion donc de premier affaire du travail. Il me semble aussi que les travailleurs, c'est-à-dire les syndicalistes, lorsqu'ils ont fait ces propositions au gouvernement, oui, c'était dans le but de se voir donc invité par le gouvernement pour échanger. Mais le gouvernement ne l'a pas fait. Le gouvernement a lancé l'opération donc de la reprise des classes et que les travailleurs, vous savez, la plupart se sont exprimés. Anselme Amoussou, qu'on l'a souvent lu sur sa page Facebook, et ça nous a permis de savoir déjà quel est le état d'âme. Et je crois que le gouvernement, qui sans doute a un agenda qui n'est pas forcément celui des travailleurs, n'a pas méconnu, n'est-ce pas, cet état d'esprit qui caractérisait donc les travailleurs à travers certaines interventions, dont notamment les écrits d'Anselme Amoussou, qui n'est pas des moindres, n'est-ce pas, dans le quota des secrétaires généraux de santé syndicale de notre pays. Donc, mais qui, malgré ça, quand même, a fait reprendre les coups avant de les appeler. C'est sans doute, le gouvernement se dit, de toute façon, allons-y d'abord. Oui. On aura l'occasion de leur expliquer pourquoi on agit de la sorte. Et c'est peut-être ce qui devait être fait à l'occasion de la rencontre qui a été convoquée. De toute façon, quoi qu'il arrive, les syndicalistes auront vraiment la possibilité donc de s'exprimer, que ce soit maintenant ou après. Oui. S'ils boycottent, je leur trouverai raison. Mais j'estime qu'on ne devrait pas manquer des occasions de se parler, de discuter. En tout cas, la journée sera longue. On attend de voir quelle sera la réaction des secrétaires généraux, des centrales et confédérations syndicales. Vont-ils finalement répondre à cette invitation du gouvernement? On attend de voir ce qui sera décidé. Oui, deuxième sujet, la lutte contre le coronavirus nous montre une autre face cachée de la réalité dans nos écoles. Hakimé Seydou Ousseni, le Conseil des ministres d'hier fait état de ce que dans nos écoles, eh bien, beaucoup d'établissements ou de chefs d'établissement doivent à la société béninoise du Bénin. Oui, bon, que ce soit maintenant qu'on fasse le constat, ça me tonne, ça pose un problème parce que je crois que de façon annuelle, on fait le point de la gestion qui a été faite de l'année scolaire. Les directeurs, des subventions accordées exactement. Ceux qui sont chargés de la gestion des finances des établissements font quand même le point. Et donc, je me tonne que de savoir que, eh bien, bon, c'est à l'occasion du Conseil des ministres de ce mercredi qu'on en est arrivé à faire un point global. C'est-à-dire quoi? La SONEB aussi est restée tout le temps muette pour ne pas avoir à juste parler. Juste les compteurs et les enlever, c'est tout. Bon, oui, certainement que c'est une manière de gérer les choses. Mais bon, certainement que ça aurait aussi pu être fait autrement. Mais bon, je me rends compte enfin qu'on se rend compte qu'on doit de l'argent, suffisamment d'argent à la SONEB, où d'ailleurs il n'y a pas de l'eau potable. Encore que le contexte actuel exige qu'il y ait suffisamment d'eau potable. Parce que vous vous souvenez que quand on abordait, je dirais, tous les éléments qui concourent à la gestion de la crise de la COVID-19, eh bien, on mettait beaucoup plus l'accent sur la disponibilité en eau potable. Et d'ailleurs, on interpellait non seulement, je dirais, la SB2E, mais aussi la SONEB pour que, eh bien, on n'ait pas à se plaindre des coupures intempestives d'eau ou encore d'électricité. Parce que tout ça concourt, je dirais, à la mise en œuvre des dispositions, des gestes barrières qui ont été énoncés par le gouvernement. Notamment le lavage des mains. Exactement. Maintenant, qu'on constate que, bon, ça doit suffisamment d'argent à la SONEB, des propositions sont faites à propos pour que, eh bien, nos écoles aient suffisamment de l'eau potable. Parce que si c'est pas fait ainsi, vous voyez le nombre de classes qui sont ouvertes au secondaire, je ne pense pas que ce soit un petit pompon qu'on met à disposition là qui servira, qui va gérer le lavage des mains. Donc, il va falloir réagir au plus pressé
pour que pendant que nous y sommes, on puisse régler ça. Ça fait partie aussi peut-être des éléments sur lesquels les responsables syndicaux auraient pu mettre le doigt si entre-temps il y avait eu cette rencontre entre les ministères de l'éducation et puis les responsables de confédérations centrales syndicales. Oui, André Doussa, bon, des compteurs qui sont enlevés dans plusieurs établissements, que ce soit dans les zones urbaines, périurbaines ou encore dans les zones rurales, mais cette fois-ci, le gouvernement prend l'engagement de régler ses factures, ses arriérés de factures d'eau et par la suite d'installer maintenant des points d'eau au profit des apprenants, des enseignants, pour surtout le lavage des mains. Je ne crois pas que ce soit très juste de dire que les directeurs d'école doivent, ce n'est pas les directeurs d'école qui doivent, mais c'est plutôt les écoles qu'ils doivent, même s'ils en ont la charge. Les écoles sont la responsabilité des directeurs. Oui, et il faut aussi remarquer que parmi les préoccupations portées par les secrétaires généraux des centrales syndicales en lien bien évidemment avec la reprise, c'est que beaucoup d'écoles manquent de moyens pour faire face aux mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la riposte face au coronavirus, à savoir les dispositifs de lavage des mains, disposer d'eau en quantité suffisante pour que tous les acteurs, les habitants, enfin, que ce soit de l'école, puissent donc correctement se laver les mains, acheter des pains de savon, ainsi de suite. Donc, et on demandait que le gouvernement, par exemple, mette rapidement les subventions à disposition de ces écoles-là. Les écoles qui ne disposent pas de subventions, il leur sera sans doute difficile de payer les factures ou celles dans toutes ces écoles-là qui, en temps, ont été dépourvues de leur compteur, il leur sera difficile de payer les factures en instance pour avoir accès à l'eau potable. Donc, lorsque le gouvernement décide, alors en Conseil des ministres, donc de faire en sorte d'annuler les factures de ces écoles-là, je crois que c'est une bonne décision. Mmh. C'est quelque chose qui, par exemple, à l'occasion de ces échanges avec les travailleurs, aurait pu constituer un bon point pour le gouvernement, c'est-à-dire un gouvernement qui montre donc aux acteurs sociaux que je vous ai écouté, j'ai écouté cette préoccupation-là, notamment que vous avez exprimée. Okay, voilà la mesure que j'ai prise pour répondre à cette préoccupation. Donc c'est une bonne chose, parce que c'est bien de demander aux gens de se laver les mains, mais il faut permettre qu'ils aient accès à l'eau potable. C'est vrai qu'avec le coronavirus, les châteaux d'eau de la Soneb et d'autres structures qui gèrent l'eau dans les autres pays également sont mis à rude épreuve. Parce qu'il faut disposer de l'eau potable pour pouvoir répondre justement à ce geste barrière. Ce n'est pas évident. Donc c'est une vraiment très bonne décision qu'il faut saluer, que l'on permette à ces écoles de disposer de l'eau. Sinon, aller chercher des bidons d'eau. Imaginez les endroits où, par exemple, il n'y a que la Soneb qui fournit l'eau potable. Les directeurs vont se débrouiller pour chercher des bonbonnes d'eau, je ne sais pas où. Aller voir peut-être, excusez-moi, la qualité de cette eau-là qu'on met à la disposition des acteurs scolaires, ce n'est pas vraiment évident. Ouais. Donc c'est une bonne décision. Il faut espérer qu'elle soit mise en œuvre avec célérité pour que véritablement les acteurs de l'école puissent bénéficier des fruits, n'est-ce pas, de cette mesure du gouvernement. Voilà, ça vient, c'est une solution qui vient sortir l'école béninoise de cette situation, puisque là on se pose la question de savoir qu'est-ce que les enfants connaissent comme utiliser comme il y a bien des écoles qui ne disposent pas de l'eau potable. Oui. Ça, c'est, je crois que si on fait même le point, c'est plus de la moitié. Et donc, c'est bien qu'on en est arrivé à prendre cette décision. Il faut rapidement la mettre en œuvre, parce que oui, la rentrée des classes, c'est à peine deux ou trois semaines. Installations de la Soneb, on fait comment, on fait quoi? On a parlé de la construction, je crois, c'est quoi, des forages. Ça prend du temps aussi. Donc, c'est bien en termes de décision, ça va peut-être impacter la rentrée scolaire prochaine, mais cette rentrée, du moins cette reprise de cours, qui ne durera que 2, 3, 4 semaines maximum, franchement, je ne sais pas si elle va être bénéfique aux acteurs de l'école. Mais bon, il y a qu'on a pris conscience de cet état de choses. On a annoncé des dispositions maintenant que ça soit mis en œuvre afin que d'ici la rentrée prochaine, qu'on ait plus à se plaindre du manque d'eau. Parce que après la COVID, il faut gérer encore le temps. Il ne faudrait pas qu'on retombe encore dans les mauvaises habitudes. Pour les écoles qui n'ont pas pu payer les factures et que la Soneb a coupé, je crois que ça va être immédiat. On doit pouvoir leur retourner rapidement leur compte. La Soneb appartient à l'État. L'État prend des décisions. Quand l'État donne des instructions, donc, c'est vite. Je crois qu'au moins, ces écoles-là pourront rapidement disposer d'eau potable. Pour celles qui n'en ont pas, parce qu'étant dans des localités qui ne bénéficient pas encore d'adduction d'eau, etc., peut-être que ça pourra se faire à moyen terme. Voilà. Un autre sujet, avant de vous laisser partir, une solution à la piraterie maritime. Nous apprenons
que quelle que soit la nationalité du navire dans la zone de mouillage dans les eaux marines du Bénin, eh bien, une équipe de protection armée sera envoyée sur les différents navires qui s'apprêteraient à accoster au port autonome de Cotonou. À Kine. Oui, on dit navire en direction du Bénin. Pour votre sécurité, vous devez désormais avoir une équipe de protection embarquée ou à défaut, vous faire protéger par l'armée bénoise. C'est-à-dire qu'on a posé le diagnostic. On s'est rendu compte que eh bien, quand on, les questions d'insécurité qui sont relevées au niveau des eaux sont du fait déjà de cet état de choses. Et c'est pour ça que l'État se dit, quand vous êtes dans mon territoire, soit vous êtes avec, je dirais, une armée avec vous, ou carrément vous maintenez informé et on met à votre disposition une armée pour pouvoir gérer ça. Je crois qu'en termes de décision, il fallait enfin qu'on pose de grands pas. Et je crois que depuis novembre dernier, où c'est la SICO de ce qui est bien, il n'y a plus de sécurité sur les eaux. Si on en est arrivé à prendre cette décision-là, franchement, je crois qu'il faut la mettre en application pour qu'on évite d'avoir dénombré des personnes qui ont été prises en otage. Donc, je crois qu'en termes de décision, eh bien, elle est intéressante. Elle vient en marge du conclave gouvernemental qui s'est tenu. C'était donc ce mercredi où le chef de l'État a rencontré, je dirais, les responsables du port autonome de Cotonou et puis l'armée bénoise. C'est une bonne décision. Il faut maintenant la mettre en application et mettre à disposition assez, je dirais, d'outils afin que, eh bien, qu'on ne mette pas en déroute en son temps. Vous parlez d'assez d'outils, voilà. Vous parlez justement l'armement, des moyens également qu'il faut mettre à disposition de l'armée, la collaboration entre les différentes forces et notamment ces navires-là qui doivent véritablement signaler leur position. Est-ce qu'ils sont pourvus en personnel apte à répondre aux attaques des pirates? André Doussa, cette thérapie du Bénin, comment la trouvez-vous? Non, je crois que Akemé Ousseini, il fait une interprétation trop large de cette mesure du gouvernement, parce que c'est vrai qu'il y a des porte-conteneurs, des tanks, des navires gros porteurs. Exactement. Mais quand même une armée. Vous dites une armée, imaginez les petits. Parce qu'il y a de la place dans les navires et il y a des porte-conteneurs par ailleurs qu'ils vont disposer d'une armée. Je crois qu'il est question. Des éléments de l'armée. En tout cas, des équipes. Il va y avoir des unités de sécurité à bord. D'accord. Et quand vous n'en avez pas, c'est que vous signalez et la marine militaire béninoise se déplace pour aller s'occuper de vous. Et c'est la condition des hommes pour mouiller dans les eaux béninoises. Accoster chez nous, vous devez donc respecter ces. Je crois que, vous savez, la plupart des pays du Golfe de Guinée qui sont impactés par la piraterie maritime continuent toujours de réfléchir pour chercher des solutions, rayer ce fléau qui constitue un véritable problème. C'est-à-dire pour la promotion de nos économies. On va dire un pays comme le Bénin, dont le port constitue un élément stratégique, un élément hautement important pour son économie, pour son développement, ne peut pas se taper, n'est-ce pas, des actes de piraterie maritime. Donc il faut mettre en place des dispositions pour sécuriser nos eaux. Et c'est ce qui va être fait. On va l'expérimenter. L'objectif, c'est zéro piraterie. On va expérimenter ces deux options qui ont été prises par le gouvernement béninois et on pourra apprécier le moment venu. Merci beaucoup, André Doussa. Merci à vous, Hakimé Seydou Ousseini. On va vous retrouver la semaine prochaine. Ouais. Justement, André, une activité pour le dimanche prochain sur Canal 3? Activité? Non, une activité pour le Bénin, vous allez dire. Non, mais on ira aux urnes. Une tradition à respecter. Et comme d'habitude, nous serons là pour faire le monitoring comme on en a l'habitude. On va faire vivre le scrutin aux populations, à nos téléspectateurs. Ils pourront suivre les différents événements qui vont marquer ce jour de vote, à savoir évidemment le déroulement du scrutin, les ouvertures donc des bureaux de vote, le comportement des citoyens, les éventuels problèmes, on ne le souhaite pas. En tout cas, nous serons là pour les faire vivre à nos citoyens avec l'analyse de personnes ressources, d'experts électoraux et également les membres de la Sénat. Voilà, donc je crois que comme c'est une tradition désormais. Canal 3 l'a instauré ici, beaucoup d'autres nous ont emboîté le pas et nous maintenons le cap.
C'est pas un message de campagne, mais nous allons pouvoir, si nous sommes cas, là, mobilisés pour faire le travail. Il faut qu'enfin qu'il y ait des messages de campagne. On s'en est abstenu depuis tout le temps. Donc, il n'y a pas de message de campagne. Un message de campagne pour le téléspectateur, la fameuse décision de la HAC qui a montré ses limites. Le débat, on va le faire après, parce qu'on va débriefer cette décision-là pour qu'on n'ait plus à nous retrouver encore dans les travers d'une décision qui, franchement, pour moi, a montré ses limites. Non, je crois qu'André, c'est la voie la plus autorisée en termes d'organisation, en termes de tout ce qui va concourir à faire vivre les spectateurs. Ces moments d'élection, il est mieux placé pour en parler. C'est près de 1493 bureaux de vote qui seront ouverts ce dimanche-là. 14 000. Donc, vous voyez le nombre que ça fait. Il faut utiliser toute la ressource mise à disposition du rédacteur en chef André Dossa. Ce sont les bureaux régionaux, c'est-à-dire que vous êtes ici à Cotonou, vous vivrez les élections telles que c'est vécu à Natitingou, telles que c'est vécu à Djougou, telles que c'est vécu à Parakou et environ, et Bimbeleke et consorts, jusque dans la commune de Kanis, c'est-à-dire le département de la Libori. Quand on va dans le Monokouf, on retrouve Geoffroy Messant avec toute son équipe, d'ailleurs qui s'active à propos. Allez du côté de Porte-Nouveau, c'est pas Emma qui va vous démentir, je dirais, d'apporter, j'allais dire, de mettre les bouchées doubles afin qu'on puisse vivre ces élections. Donc en gros, et sur place ici à Cotonou, ce sont les rédacteurs. On va pas oublier la seule femme directrice régionale, Elena Moussou, exactement. Donc, quoi que c'est toute une batterie de dispositions qui sont prises. Et le dimanche prochain, les téléspectateurs auront la chance, comme d'habitude, hein, de vivre en live, je dirais, ces moments d'élection. Avec les réactions des personnalités. Tout à fait. C'est du live à vivre. Et il faut prendre le rendez-vous le dimanche prochain, toute la journée. Parce que ce n'est pas que, je dirais, dans la matinée, c'est aussi des moments d'échange avec les personnes ressources, comme l'a dit André Dossa, les hommes politiques, la société civile qui jouera aussi un rôle capital dans, je dirais, la supervision de ces élections, les observateurs internationaux qui seront mis à disposition de la sécurité. Je crois que c'est tout ça là qui sera mis ensemble afin qu'au fur et à mesure que ça évolue, que les téléspectateurs puissent vivre en live ce qui se fait. Voilà. Et le soir, il y aura la nuit électorale également. Oui, exactement, comme d'habitude, c'est pas nouveau, hein. Canal en a l'habitude. Merci beaucoup, Akimé. André Dossa, vous restez en place. Ensemble, nous allons recevoir Fatoumata Batokozoussou. Elle est la présidente de la plateforme des organisations de la société civile du Bénin. Avec elle, on parlera du processus électoral en cours et des dispositions prises par les OSC pour vivre l'ambiance du vote, je dirais, dimanche prochain. Vous n'aimez pas les files d'attente ? Moi non plus. Alors, pour vos opérations bancaires, faites comme moi. Utilisez la formule magique. Étoile 919. Yes. Et oui, avec UBI Magic Banking, faites vos opérations bancaires sans vous déplacer. Tapez simplement étoile 919 dièse sur votre téléphone portable, qu'il soit Android ou non, qu'il y ait la connexion ou non. Tapez étoile 919 dièse et votre téléphone se transforme en guichet de banque. C'est magique, c'est UBI. Pour plus d'informations sur UBI Magic Banking, contactez-nous. UBA, Africa's Global Bank. Ezo, dédé, ezo, 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 eya, fofo, novi, dada, papa, maman, buvons vivant, nous bello merwenu. Reste chez toi et fais-toi livrer chap chap et gratuitement les boissons de la Sobebra. Choisis ta glacière et savoure ta béninoise et toutes les autres boissons made in Benin. La première, la soft drink à 4560 francs, te donne droit à 24 bouteilles de la famille Yuki et Coca-Cola. La deuxième, de la famille béninoise, te donne 24 bouteilles de béninoise, Pils et Panache à 6480 francs. Et la VIP te donne 24 bouteilles de Ecu Bavaria et Beaufort Lager à 9520 francs CFA. Allez, commande vite au plus 229 95 48 17 77 et fais la fête chez toi en famille. Ah ouais, avec la Sobebra, ça tombe tout et nous. Vous
cherchez des accessoires automobiles de qualité comme les pneus Michelin, les huiles Castrol, les batteries Exide et bien d'autres pièces de rechange en gros et en détail, LBM est la solution. Nos stations-service sont également opérationnelles en continu. Les boutiques de lubrifiant LBM, c'est à Apapa PK3 et au Carrefour LBM. Je ne vous oublie pas. Contact téléphone 00229 21 31 00 46, 60 60 60 45, 60 60 60 86. Call Center 2x99 66 66. LBM. Le carrefour des grandes marques. L'invité du forum sur Actu Matin, Madame Fatoumata Batoko Zoussou, bonjour. Bonjour Monsieur Alain Dédia. Vous êtes la présidente de la plateforme des OSC. Avec vous, nous allons revenir un peu sur le processus électoral en cours et qui nous conduit dimanche prochain. On semble ne plus trop vous voir, ni vous sentir, ni vous entendre. Je veux parler de la plateforme des OSC alors que nous sommes en plein processus électoral. Absence de sujet d'analyse, d'activité ou changement de stratégie à votre niveau? Alors, merci beaucoup à vous de faire en sorte que la plateforme soit visible et que nos activités soient visibles et partagées avec nos compatriotes. En fait, c'est les deux. C'est changement de stratégie, oui, parce que, vous savez, tout ce qui compte, c'est de se faire entendre, c'est de se faire comprendre. Et donc, la plateforme électorale a décidé de changer de stratégie de travail afin qu'elle soit mieux écoutée. Analyse, absence, non. Nous avons, si vous avez bien suivi, il y a un mois, nous avons lancé le Présimètre, qui est le document qui évalue la mise en œuvre des promesses du président. Nous avons en ce moment document d'analyse qui va sortir certainement aujourd'hui ou demain, qui fait comme un débriefing sur la situation. On appelle ça le policy brief, donc qui va sortir bientôt. Nous avons des activités, bien sûr notre chambre de situation électorale. Et vous savez, avec le contexte actuel du coronavirus, nous avons été un peu pris de court. Parce que nous ne savions pas que les élections allaient tenir. C'était, est-ce que les élections vont tenir? Est-ce que les élections ne vont pas tenir? Mm-hmm. Alors, nous avons été pris de court et c'était aussi réfléchir à comment, malgré tout, faire nos activités. Et donc, les activités qui consistaient à se mettre ensemble, à faire des formations avec nos collègues observateurs, tout cela, il fallait trouver une stratégie qui tienne compte du contexte, parce qu'il ne faut pas aller observer et revenir malade. Il ne faut pas aller observer aussi être en porte-à-faux avec les organismes qui vous aident et être en porte-à-faux surtout avec votre État. Alors, j'allais vous faire la question de savoir quelle est donc cette stratégie nouvelle que vous avez trouvée et qui vous rend à ce point inaudible, mais le coronavirus ayant vraiment le dos assez large, il a assumé également cette absence de la plateforme de la société civile dans le débat public. Alors, dites-nous, quel est le rôle précisément que vous jouez en ce moment dans le processus électoral en cours? Je vais vous dire inaudible? Non. Vous n'allez pas dire inaudible? Peut-être oui, mais lisible, oui. Si vous écoutez les déclarations, oui, si vous lisez sur les réseaux sociaux, vous allez nous lire. Comme j'ai dit, nous avons changé de stratégie en tenant compte du contexte et en tenant compte des gens à qui nous voulons parler. Votre dernière question. Vous le dites aussi en tenant compte du régime, peut-être. Du régime. Ce n'est pas un régime qui écoute quand on fait beaucoup de bruit. Ah bon. En fait, c'est ce que nos analyses nous ont conduit à conclure. Le régime écoute mieux quand on écrit, c'est ça? Pardon? Le régime écoute mieux quand on écrit? Quand on écrit, oui, puisqu'ils nous suivent.
Ils nous suivent quand on écrit. Mm-hmm. L'essentiel, c'est, je ne sais pas, on a cette coutume de crier beaucoup, cette coutume de vouloir qu'on crie. Mm-hmm. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche le résultat ou bien on recherche qu'on nous entende crier. Et le résultat, c'est de susciter le changement, de faire en sorte que les gens vous écoutent et sachent qu'ils ne sont pas sur la bonne voie ou qu'ils vous écoutent pour se réajuster. Alors, quand tu as devant toi quelqu'un qui aime qu'on fasse du bruit, il faut faire du bruit. Ouais. Et quand tu as en face de toi quelqu'un qui t'écoute mieux quand tu parles, quand tu l'abordes d'une certaine manière, alors, c'est à nous de choisir qu'est-ce que nous voulons. Nous voulons que ça change. Nous voulons que ce soit un bien-être pour tous les Béninois. C'est ce que nous voulons. Nous voulons que les élections se passent sans heurts, qu'il n'y ait pas de casse. C'est ce que nous voulons. Alors, comment il faut conduire cette volonté-là? Alors, c'est vrai, vous avez raison. Nous avions l'habitude sur... les télévisions, les radios, parler beaucoup, mais si vous ne nous entendez pas, cela ne veut pas dire que nous ne travaillons pas. Alors, sur la question, quel est le rôle que vous jouez en ce moment dans le processus électoral en cours? Alors, nous avons traditionnellement ce que nous faisons, la formation des observateurs, la formation des moniteurs qui suivent la violence sur le terrain, particulièrement... pour cette élection, nous avons complété la mise ou le suivi du respect des gestes barrières pour que nous ne sortions pas de ces élections avec un pic de contagion ou de contamination. C'est parce que le mot qui est juste. Pendant les processus électoraux, on a souvent observé que avant même la mise en œuvre des activités de la plateforme de votre chambre, comment vous appelez ça, le monitoring électoral, c'est que vous sensibilisez beaucoup. Oui. Vous exhortez les citoyens à adopter un certain nombre de comportements en lien avec le processus électoral, à cultiver la paix. Oui. Ici, il y a le coronavirus qui s'ajoute, qui donc est source également d'une certaine psychose. Mais là, avez-vous abandonné vos activités traditionnelles? Pourquoi on ne vous voit pas vraiment actif sur ce terrain-là comme d'habitude? Vous savez, comme moi, il ne faut pas rassembler plus de 50 personnes. Ouais. Il ne faut pas se déplacer. Nos sensibilisations que nous faisions allaient même dans le Borgou, dans le Zou, dans le Mono, et rassemblaient au BAM aux 500 personnes, par département. Alors, dans ce contexte de coronavirus que j'avais souligné tantôt, il fallait revoir le travail à faire. Alors, ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est de rester, de créer des partenariats. Nous sommes en partenariat avec FERCAB, la Fédération des radios communautaires. Et donc, à travers FERCAB, beaucoup d'émissions sont passées. Nous utilisons WhatsApp pour faire passer nos messages. Nous avons, il y a 5 jours, on a fait le lancement d'une vidéo qui appelle les jeunes à la non-violence. Nous avons nos partenaires ou nos collègues blogueurs, l'Association des blogueurs du Bénin, qui, sur Internet, à travers des quiz, réveillent la conscience de nos jeunes et bien sûr de nos compatriotes. C'est vrai qu'avec les stratégies actuelles, nous n'avons pas pu atteindre le nombre de personnes que nous aurions voulu atteindre, où nous n'avons pas la capacité de savoir combien de personnes nos activités ont impacté. Cependant, à la fin, nous allons, avec FERCAB, par exemple, les blogueurs du Bénin, essayer de voir combien de personnes nous avons impactées pour savoir comment nous allons, les prochaines fois, améliorer nos stratégies. Cela dit, nous avons... eu là, comme je le disais à mes collègues, des opportunités à saisir. Parce qu'on a fait des formations à travers WhatsApp et c'est peut-être des opportunités à saisir pour voir comment les prochaines fois nous allons utiliser ces canaux-là pour amoindrir certains coûts.
en ce qui concerne nos activités. Parce qu'il faut faire en sorte que les activités soient durables. Tout à fait. Nous n'allons pas toujours attendre que des institutions nous soutiennent. Ouais. Comment observe-t-on un scrutin dans un contexte de coronavirus? Oui, c'est une question. Nous avons dans nos formations inclus l'aspect coronavirus, les comportements qu'il faut avoir. Nous allons doter nos collègues observateurs de gel, de masques, tout ce que vous savez pour y aller. Oui, les observateurs dont vous parlez là, oui. C'est des nationaux ou il y a également des étrangers qui font le travail avec non, vous, c'est une travail plateforme nationale. Et donc, nos observateurs sont les membres de nos organisations, les organisations qui sont membres de la plateforme électorale. Vous savez, il y en a plus de 150 hein, à travers les réseaux d'ONG, les ONG qui sont sur la plateforme. On a au moins 150 ONG et c'est au sein de ces ONG que nous avons nos observateurs, que nous sommes d'ailleurs en train de fidéliser pour que nous ayons une base de données. Des observateurs de la plateforme électorale. Donc, du coup, vous avez déjà mis en place le dispositif traditionnel d'observation de ces élections, oui. Toute la panoplie de personnes, ressources que vous mobilisez, oui. Puisque vous prenez en compte toutes les dimensions du scrutin, allant oui. jusqu'à la sécurité et ainsi de suite. Oui. Mais aujourd'hui, la campagne électorale est en cours. Oui. Quel est votre point de vue sur le déroulement de cette campagne électorale médiatique. Mm-hmm. Non, avant d'en venir à votre question, je voulais dire que notre plateforme va animer la salle de situation électorale, le plateau technique, tout la chambre fait. D'analyse, la chambre de réponse, pour faire une évaluation active du processus. Mm-hmm. Alors, ce sera quoi? Au fur et à mesure que des violations seront observées, mm-hmm. au fur et à mesure qu'il aura été observé qu'il manque des kits pour le respect des gestes barrières, par exemple, nous allons le faire savoir à qui de droit. Donc, nous avons essayé Internet hier avec nos observateurs, collègues observateurs, qui étaient en formation. Et donc, c'est en train d'être mis en place. Alors, revenant à votre question. La campagne électorale. Je suis désolée de dire que ce n'est pas respecté. Ce n'est pas du tout cela. Et nous avons sur la plateforme saisi le QG des principaux partis politiques et qui nous ont rassurés que c'était des dérapages du début, mais qu'ils sont en train de réajuster. Mais des informations que nous avons sur le terrain, je crois qu'ils sont dépassés aussi, ces QG. Alors, je dis, nous sommes tous concernés. Nous n'avons pas été assez proactifs par rapport à cette situation-là. Et faire en sorte que nos compatriotes soient conscients, qu'ils prennent conscience de ce qu'il ne faut plus aller en ce moment aux élections comme on le faisait de par le passé. Je crois que nous n'avons pas su inculquer cela. Parce que si je suis consciente qu'en allant au meeting d'un parti politique dans une certaine condition, je peux revenir malade. Oui. Il serait à moi de décider d'y aller en me protégeant ou de ne pas y aller du tout. Et je crois que c'est plutôt à celui qui va au meeting-là. C'est plutôt sur lui que le travail devrait être fait. Mais c'est très court. Je reconnais que c'est très court. Nous étions dans les K80, K94, K96. Donc, tout le monde se disait que bon, c'est pas encore alarmant. Alors, les derniers chiffres montrent que, écoutez, même moi, à côté de vous, il faut faire attention. Oui, tout à fait. Ce qui, nous n'avons pas été proactifs en fait. Et je crois que c'est dommage. Oui, avec ça, comment voyez-vous le jour du scrutin, le dimanche prochain? Ouais. Est-ce qu'on pourra relever le taux de participation
à ces élections-là. Est-ce que vous avez fait un travail dans ce sens? C'est une question que beaucoup de gens nous posent. Et notre réponse est que, bon, nous aurions aimé que le taux de participation soit élevé pour que, même si nous n'avons pas mis un seuil de participation, le taux de participation note la crédibilité d'une élection. Et la Sénat fait tout ce qu'elle peut pour que le jour du scrutin, les gestes barrières soient respectés et qu'il y ait du monde. Et surtout que les gens n'aient pas peur de sortir. Et surtout que les gens n'aient pas peur. Et je crois que c'est aux partis politiques aussi de jouer ce rôle-là, de faire en sorte que beaucoup de gens sortent et qu'ils viennent. Voilà. Donc plutôt que de violer la décision et de campagne médiatique, sensibiliser. Ce n'est pas, disons, un bon exemple. Parce que nos compatriotes qui sont appelés à servir le pays, mais qui violent allègrement les... Ils réclament les suffrages pour diriger, mais qui ne respectent déjà pas le minimum. On veut diriger, mais moi je dis, vous voulez diriger, mais avec qui? Avec une population malade? Qu'est-ce qu'on fait avec une population malade? Si à la fin je deviens maire et que je n'ai personne pour travailler avec, parce que tout le monde est malade. Il sera élu maire pour assister les malades. Voilà. Voilà, d'accord. Avant de vous laisser partir, oui, vous étiez en train de condamner là, le non-respect d'un certain nombre de tests. Au niveau de la Sénat, est-ce que vous avez constaté quand même un respect des tests, un respect des délais? Parce que là, on entend parler du non-affichage, par exemple des listes au niveau des bureaux de vote. Oui. Bon, ça, c'est une situation que je n'ai pas vraiment compris. En fait, les listes par bureau de poste sont là. Maintenant, il y a eu un retard dans l'affichage. L'affichage par le COS LEPI, qui devait faire l'affichage des listes pendant 15 jours et remettre à la Sénat 60 jours après. Ça a flotté. Il y a que, de ce que j'ai appris, il y a normalement deux listes. Il y a la liste générale. Ouais. Qui est la grande liste. Le fichier électoral national. Voilà. Et il y a les listes par bureau de vote. Oui. Et là, c'est la liste par bureau de vote qui est disponible. Et ça, c'est le jour du scrutin que les agents électoraux les affichent dans les bureaux de vote. Oui. Voilà. C'est le jour du scrutin que cela se fait. D'accord. Donc, il y a un flottement qu'il faut certainement revoir. Et je crois que cela sera corrigé si on laissait à la Sénat d'élaborer elle-même la liste électorale. Ça va venir peut-être dans les nouvelles configurations proposées par le code électoral. Merci beaucoup à vous, Madame Fatoumata Batoko Zosu. Merci d'être passée. C'est moi. Et beaucoup de courage pour la suite du processus. Merci. André Lossa, merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Merci à vous. Vous restez en place, mesdames et messieurs, on va parler. Aidez-nous à sensibiliser sur le Covid aussi. C'est ce que nous faisons. La rubrique environnement dans un instant avec Fulbert Adjumé-Rossou. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Vous
Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacorp. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. C'est le dernier acte de votre matinale Actu Matin. Nous allons ce matin parler environnement, comme tous les jeudis d'ailleurs, dans cette émission. Et vous êtes avec nous, Fulbert Adjumeros. Bonjour. Bonjour, Christian. Voilà, ce matin, il sera question de la lutte contre les changements climatiques, l'apport des énergies renouvelables. Et en plateau, nous avons un professeur Basile Kounewa. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Physicien à la Fac des sciences et techniques, c'est ça? Tout à fait. Oui. Effectivement, le professeur Basile Kounewa est spécialiste des énergies renouvelables. Avec lui, on verra combien le soleil peut nous être bénéfique dans un monde de réchauffement climatique. Mais d'abord, on parle d'une innovation dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Professeur Basile Kounewa, un dispositif solaire automatique pour laver des mains, pourquoi? Pourquoi? Le moment s'y prête, mettre en place des gestes barrières nécessite entre autres le lavage des mains. Et donc un dispositif de lavage des mains. Mais c'est parti d'où l'idée d'avoir ce dispositif solaire? L'idée est partie d'un petit exercice que je faisais avec les étudiants de la licence en énergie renouvelable et système énergétique. J'étais absent pendant le mois de mars. Pendant que j'étais à Liège, je commençais à avoir un peu peur de l'évolution de la pandémie. Sur le forum de ces étudiants-là, j'ai écrit qu'à partir de maintenant, il faudrait qu'on commence à se laver les mains régulièrement au cours de la journée. Donc plusieurs fois au cours de la journée, il fallait qu'on se lave les mains, que la formation va mettre à la disposition du savon liquide, mais qu'on ne va pas acheter un lave-mains pour eux. Ils sont en sciences et technologies, ils sont en formation professionnelle. Oui. Il doit être capable d'innover face à une situation. Donc je leur ai dit, proposez-moi des schémas de dispositifs de lavage des mains. Bon, tout de suite, ça a commencé. Et chaque fois qu'ils proposaient, je critiquais, ils modifiaient jusqu'à ce que, bon, on a faire le consensus autour de quelque chose, et je leur ai demandé de faire une évaluation financière, ce qui traînait, et puis les mouvements de grève sont intervenus, on a tout oublié. Par la suite, dans un échange sur un de nos forums de l'IAC, un collègue m'a interpellé, j'ai dit, mais écoute, il y a plus de 3 semaines que nos étudiants avaient réfléchi à cette question, et il a dit, on veut voir. Donc c'est comme ça que nous sommes lancés. Quelles sont les spécificités de ce dispositif qui est déjà fait et qui fonctionne avec de l'énergie solaire, oui, surtout? Oui, c'est qu'il est un dispositif qui vous permet de vous laver les mains sans rien toucher, comme on dit. Et vous mettez votre main sous le robinet du savon et le savon coule. Et vous malassez pour mettre le savon un peu partout sur vos mains, et puis vous passez vos mains sous le robinet de l'eau, et vous avez l'eau pour rincer, voilà. Donc c'est possible donc que ça contribue à promouvoir les gestes barrières dans le cadre de la lutte contre la COVID-19? Oui, exactement, et puis comme tout le monde nous le dit maintenant,
même au-delà de la COVID-19, ce système pourra... Il faut perpétuer le lavage des mains. ...pourra être utilisé. Mais au-delà donc de cette innovation, on sait que les énergies renouvelables sont de précieuses opportunités pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais aujourd'hui, à quoi ça peut être utile pour les populations à la base? À quoi peut être les énergies renouvelables pour les populations? À quoi ça peut être utile, oui. Bon, vous savez, dans ce monde où nous sommes aujourd'hui, on va vers la facilitation des activités. Et réduire la pénibilité des activités, et cela amène naturellement à dire qu'il faut réduire l'énergie musculaire, l'énergie de l'homme directement qu'on utilise dans une approche de développement durable. Et l'homme est de plus en plus placé au centre des réflexions. Il faut permettre à l'homme d'avoir un meilleur confort, il faut lui permettre d'avoir un meilleur cadre de vie, etc. En l'aidant comment, avec quel outil? Donc, pour aller vers tout ça, il faut une autre source d'énergie, puisque toute activité nécessite d'une manière générale de l'énergie. Il faut une autre source d'énergie et l'électricité est la source la plus ordonnée et pour être utilisée dans différentes autres formes d'énergie. Et aujourd'hui, avec le soleil pour les pays comme les nôtres, et nous avons le soleil à disposition, donc les systèmes solaires sont une opportunité pour bénéficier de l'énergie sans avoir à payer un coût élevé du côté de la facture. Prenons l'exemple, par exemple, d'une cité lacustre de Ganvier. On sait que là, il n'y a pas l'accès à l'énergie conventionnelle comme en milieu urbain. Alors là, en quoi peut-être on peut aider les populations à avoir accès à l'énergie renouvelable tout en facilitant leur mode de vie? Oui, sur la cité lacustre de Ganvier, je vais dire, les systèmes photovoltaïques peuvent être déployés et je pense qu'il y a un projet qui a construit quelques bâtiments sur la zone de Ganvier avec des prototypes de panneaux solaires pour l'électrification de ces bâtiments-là. Mais je vais dire que dans le cadre aussi du programme du gouvernement, Ganvier nous a offert une opportunité, nous, au niveau de notre laboratoire. C'est qu'on s'est posé la question par rapport à la cité, à la redécouverte de la cité de Ganvier dont le gouvernement parlait, et parle plutôt dans son programme. Nous, on s'est intéressé à la question assainissement. On s'est dit, mais la question de l'assainissement est très importante dans une cité touristique. Et qu'il faut gérer les déchets ménagers organiques. Tout à fait. Et donc, par rapport à ça, on a pensé que la biodigestion, le biogaz, la production du biogaz serait une opportunité pour la gestion de ces déchets-là. Et donc, dans ce cadre, on a, grâce à un appui de l'AUF, on a avancé sur un prototype de biodigesteur aérien. Donc, comme c'est incité la cuisse, on ne peut pas creuser des trous pour construire des biodigesteurs. On a conçu plutôt un prototype aérien et qu'on a d'abord au laboratoire et puis on vient de déplacer d'aller implémenter le système dans le village et dans un restaurant, le restaurant 3M je crois, et où on produit déjà du biogaz. Le système fonctionne avec deux foyers. Et nous voulons passer au test avec
la propriétaire du restaurant. Justement, quand on parle de biogaz sur le lac Aimé, sur le lac Nokwe, on sait qu'il y a un autre problème qui se pose, la prolifération d'adjacents d'eau. Est-ce qu'on ne peut pas tenir compte aussi de cet aspect-là, de cette forme de pollution, pour l'intégrer dans la fabrication du biodigesteur? Oui, exactement. Actuellement, après le lancement du biodigesteur, c'est-à-dire qu'il y a une phase de lancement pour que le biodigesteur atteigne son rendement optimal. Et on a commencé à introduire de la jacinthe d'eau dedans. Et ça fonctionne déjà, ça continue de produire avec l'introduction de la jacinthe d'eau. Et maintenant, on se prépare, on a commencé des tests au laboratoire pour les déchets organiques ménagers, bon, à savoir les restes des cuisines. Et puis, on ira jusqu'au reste des repas pour... Pour faire plus simple, est-ce que vous voulez dire que chaque ménage peut apporter des déchets organiques pour faire fonctionner biodigesteur et en profiter? Merci. Le rêve pour nous, c'est de pouvoir dire à chaque ménage que ce qui est déchet, et pourrait des déchets de cuisine, des déchets de repas, et il y en a vraiment, et pourrait bientôt et être utilisé pour produire une partie de l'énergie qui est utilisée pour préparer le repas dans les maisons. Et ça, c'est notre rêve, mais on fait nos essais d'abord sur le lac. Et quand on dit énergie renouvelable, il y a un coût. Est-ce que c'est supportable par les populations, par les ménages? Le projet est en train d'être travaillé pour aller à l'optimisation du coût. C'est clair, le projet le dit très bien. Et il faudra pouvoir fournir un biodigesteur à chaque ménage pour que le ménage laisse transiter ces déchets organiques par le biodigesteur et pour en retour avoir de l'énergie et couvrir une partie de l'énergie utilisée pour la cuisine, c'est-à-dire avoir désormais un point de gaz de cuisine à la maison. Et on peut coupler ça aussi avec la cuisinière et utiliser en partie le gaz domestique ou le méthane que nous on produirait à partir de ce biodigesteur. Merci professeur. J'espère qu'on aura le temps de parler des autres formes d'énergie. Il y a l'énergie éolienne, l'énergie marine, l'énergie de la biomasse également. Oui. Tout à fait. Donc peut-être une prochaine fois, on verra quelle autre opportunité on peut offrir aux populations pour leur faciliter la vie à partir des énergies renouvelables. Merci Christian. Merci à vous Fulbert Adumé-Rossou. Merci également à vous. Merci. Professeur, très bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que nous refermons votre matinale Actu Matin pour le compte de ce jeudi. Rendez-vous demain à partir de 7h avec la chronique Fait de Société. Vous aurez votre zapine. Vous aurez également d'autres invités en plateau pour occuper votre matinée. D'ici là, portez-vous bien. Merci de votre attention. Prenez surtout soin de vous et gardez le sourire. Au revoir.
vous remplacer. Mironami vivi, mi meño nous laisse, on doit qu'on kawe. Mon homme est Chenaya, pour que mon corps se rende à toi pour toujours. Il faut bien la gérer, il faut bien la gérer. Elle est où? Tu dois bien gérer, sinon tu vas taper pour ton bambou. Il faut bien la gérer, il faut bien la gérer. Là-bas, tu dois bien gérer, là-bas, sinon tu vas taper pour ton. Tu m'as tout donné, une vie de rêve. Mais quand je te touche, tu es toujours fatigué. Tu manques d'affection. Que ton amour sans le sel dans la sauce, il n'y a pas de goût. Bagna la sœur de l'autre. Ah oui, tu as tout quoi. Bon, quand pour tout émancer, tu es tout mignon, mais en bas, y'a rien. Tu vas taper pour tout. C'est le bonheur de la femme. Nous, et tiens, ouais, nous, non, nous, et tiens, ouais, nous, non, nous, il faut bien la gérer. Il faut bien la gérer. Elle est où? Tu dois bien gérer. Elle est belle. L'arrangeur Fifi Fender, le métronome de toutes les saisons. Ah oui, mon bébé, c'est toi mon dolor. Mais l'amour ça ne suffit pas, j'ai besoin de tendresse. Avoir mes côtés, le confort dans mon foyer. Moi c'est vivre au comé. J'ai tout donné pour être la meilleure. À toi d'accomplir ton devoir de mari. Tu n'es jamais à la maison. Tu rentres à des heures tardives. Mandorouinaïtaba. Lolonkeye wama. Bébé, je suis fatiguée. Oh oh bébé, je suis très ennuyée. Le choc, surtout le choc, le choc. Ah, piment, de l'eau sucrée, salée, sucrée. Yeah.